Nouvelle édition sur le RTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Autorisation de 6 accords de prêt à l'Assemblée nationale, des financements destinés à alimenter des projets d'intérêt public, notamment le barrage d'Adjarala, à suivre les travaux de la plénière organisée à cet effet. Bientôt la construction du barrage d'Adjarala, des concertations sur les questions socio-économiques, financières et environnementales dans la construction de 10 barrages ont démarré aujourd'hui. Renforcement de la lutte contre les violences faites aux femmes, les acteurs du secteur de la protection et de la promotion des droits de la femme réfléchissent à l'élaboration de meilleures stratégies. Un atelier se tient dans ce sens à Cotonou. Et notre escale à la cour d'appel de Cotonou, Jérôme Mbou, bonsoir. Bonsoir, Kodou Sabdoulé. Deux dossiers sont inscrits au rôle aujourd'hui. Tout à fait, association de malfaiteurs d'une part et emprisonnement et vol de l'autre. Merci Jérôme, à tout à l'heure. Direction le Parlement, actualité à l'Assemblée nationale. Les députés autorisent 6 accords de prêt. Ce sont des accords de financement signés avec Aïd Erssim, Banque de Chine et la Banque islamique de développement pour des projets d'intérêt public, en l'occurrence le barrage hydroélectrique d'Adjarala et le projet de compétitivité et de tourisme transfrontalier. On fait le point de la plénière avec Emilienne Fayomi. La représentation nationale s'est penchée hier sur un ordre du jour très chargé. 6 ratifications au total en dehors du vote du budget exercice 2017. Il s'agit notamment de la loi numéro 2016-27 portant autorisation de ratification de l'accord de financement dans le cadre du projet de compétitivité et de tourisme transfrontalier d'un montant de 30 108 426 300 francs CFA. La loi numéro 2016-28 portant ratification de l'accord de financement dans le cadre du projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance de montant de 17 317 204 818 francs. Deux accords de ratification ont été adoptés au profit du financement du projet d'aménagement du barrage hydroélectrique d'Adjarala de montant total de 150 307 395 500 francs CFA avec Exim Bank de Chine. Quelles mesures envisagez-vous pour le remboursement de ce prêt dans un délai raisonnable? Deuxième question. Monsieur le ministre, vous voudrez bien nous apporter des précisions par rapport aux zones urbaines, semi-urbaines et rurales retenu dans la composante numéro 3 de ce projet. Avec les financements trouvés pour cette gratification, régulièrement à un taux de moins de 2% contre la banque togolaise, la BOAD, où on allait toujours nous chercher des financements d'un taux de plus de 8% et nous considérer à l'époque comme de l'usure, et que le gouvernement nous cherche aujourd'hui des financements avec un taux de moins de 2%, on n'a pas de raison à ne pas féliciter ce gouvernement. L'avant-dernière loi votée est relative au financement partiel du projet de la route Bétérou-Tchaourou, frontière du Nigeria, et porte sur un montant de 43 330 millions de francs CFA. Et enfin, la loi numéro 2016-32, portant autorisation de ratification de l'accord de service d'Ijara signé à Djeddah le 8 août 2016 avec la BID, concerne aussi le financement partiel du projet de route Bétérou-Tchaourou frontière du Nigeria pour un montant de 1 780 millions de francs CFA. Les députés, dans leur grande majorité, ont souscrit sans réserve à ces accords de ratification et donne ainsi au gouvernement les moyens de réaliser ses projets de développement. Je voulais également remercier les membres du gouvernement, M. le ministre des Finances, M. le garde des Sceaux, l'ensemble du gouvernement,
ce que nous pensons à l'initiative de ce budget a été dit unanimement par tous les députés. Il n'y a aucun groupe parlementaire qui ait fait exception à la matière. Je voudrais donc vous féliciter, vous remercier pour la qualité du travail qui a été fait. Je voudrais remercier le personnel pour l'accompagnement, remercier les journalistes avec cette réserve que lorsqu'ils viennent, il faut qu'ils s'astreignent à rester jusqu'à la fin des débats et jusqu'aux explications de vote. On prend la direction du Septentrion après le lancement du programme d'action du gouvernement. Le maire de la commune capitale de l'Or Blanc au Bénin donne de la voix pour saluer la prise en compte du bitumage de la route Banikwara-Kérou-Péanko-Djougou. À cœur joie, le maire de Banikwara entend accompagner le gouvernement dans la réalisation de ce projet. On le suit au micro de Firmin Bassao. C'est un événement inédit. Nous avions vu et entendu tout le programme d'action du gouvernement du président de la République, Patrice Talon. Il y a eu, je veux le dire, il y a eu de la méthode, il y a eu de la compétence, il y a eu de la finesse dans tout ce qui a été programmé pour la gestion 2016-2021. Donc le projet de société du candidat est maintenant devenu programme d'action du gouvernement. C'est très important. C'est pour la première fois que le bitumage de ces tasses a été programmé dans un programme d'action du gouvernement. Cette fois-ci, c'est un programme d'action. Ce n'est pas un projet de société, c'est un programme d'action. Et nous l'avons vu. Le gouvernement en a parlé. Nous croyons fermement que cela sera une réalité. Nous allons veiller à ce que ce projet-là soit réalisé. Au-delà du bitumage de la route cotonnière, Banikwara, Kérou, Pointe, Péanko, Djougou. Il y a également le bitumage de la frontière de Banikwara, Kérémou, frontière Burkina. Et ce serait également au cours de ce quinquennat que les travaux seront réalisés. Autre actualité, ouverture ce matin à Cotonou d'une concertation autour du barrage d'Adjarala suivant les directives de la CEDEAO sur les infrastructures hydroélectriques sur le bassin du Mono. Il s'agit d'harmoniser les points de vue du Bénin et du Togo sur les questions socio-économiques, financières et environnementales dans la construction du barrage d'Adjarala. Clote Awekou et Calvador Awanou. De la pose de la première pierre en décembre 2015 sur le fleuve Mono en vue d'y ériger un barrage, celui d'Adjarala, le dialogue patine autour des directives socio-économiques, financières et environnementales dans le cadre d'infrastructures hydroélectriques. Directives socio-économiques, financières et environnementales, c'est notamment le déplacement et le relogement des populations, les questions de dédommagement, le niveau de mobilisation des fonds et les mesures compensatoires environnementales. L'occasion est ici de donner la faveur de cette concertation de renchérir sur le plaidoyer pour le développement harmonieux du barrage d'Adjarala entre les acteurs du Togo et du Bénin principalement impliqués dans la construction du barrage. C'est l'identification du barrage d'Adjarala comme l'un des barrages prioritaires en Afrique de l'Ouest devant faire l'objet de l'application des lignes directives de la CEDEAO sur la construction des grands barrages. Le bassin du Mono regorge d'importantes potentialités en ressources naturelles qui, bien exploitées, contribueront au développement socio-économique des populations des deux pays. La concertation de ce jour, comme une réelle opportunité pour nos deux pays, afin de mieux appréhender les défis liés au développement inclusif et équitable dans le bassin du Mono, notamment la prise en compte des résultats des évaluations économiques sur les barrages en cours d'exploitation et des considérations environnementales, économiques et sociales. Cette séance de concertation pour une solidarité d'action Togo-Bénin, en application des résolutions de la CEDEAO sur l'approche gestion intégrée des ressources en eau GIR de 1998, fait suite à la réunion de Lomé au Togo en novembre 2014 sur le dialogue autour des infrastructures hydrauliques sur le bassin du Mono.
Et on prend la direction de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Les travailleurs de E-Télé et Soleil FM espèrent toujours la levée de la mesure conservatoire suite à la violation de la convention signée avec la HAC. Les responsables de ces deux organes ont sollicité une audience dans le cadre de cette décision. On écoute le directeur de Soleil FM qui a partagé avec la presse son souhait de voir au plus tôt le dénouement de la situation. On le suit. Le président Larac nous a fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui pour que nous puissions quand même échanger sur la question. Il m'a été donné l'opportunité de lui expliquer un peu les conditions dans lesquelles Soleil FM travaille, de lui expliquer qu'il n'était nullement dans notre intention de violer quelque article que ce soit de la Convention, parce que nous sommes certains que respecter une convention, c'est respecter les institutions de la République, respecter les textes que nous nous sommes donnés. Donc il n'y avait pas l'intention de mal faire. Et nous avons expliqué un peu au président de la HAC les installations techniques que nous avons au niveau de Soleil FM et qui nous permettent d'émettre depuis bientôt 3 ans. Demain, ça va faire 3 ans que la radio existe. Donc le président nous a fait ses observations. On a maintenant que le collège des conseillers puisse se réunir pour décider réellement de ce que Soleil FM devra faire à l'avenir. Et nous sommes dans cette attente. C'est que finalement le signal de Soleil FM puisse être reçu pour le bonheur de tout le monde. Nous souhaitons tous le dénouement parce que c'est une situation qui n'arrange personne. Ça fait bientôt 3 semaines que le personnel de Soleil FM est à la maison puisque non seulement les installations ont été scellées, mais les bureaux également. Donc nous n'avons pas accès à notre lieu de travail. Et dans un schéma pareil, personne ne peut souhaiter que la situation perdure. Direction la Cour d'appel de Cotonou, Jérôme Ongbor, le premier dossier, un cas d'empoisonnement ce lundi, l'un des accusés retourne derrière les barreaux. Tout à fait, Koudous Abdoulaye, de l'empoisonnement à l'emprisonnement, il n'y a qu'un pas. En fait, nous sommes en octobre 2007 à Sokou, dénoué dans l'arrondissement d'Alada. Le nommé Anselme Sokou est interpellé pour cas de vol répété dans la concession de Dancy Sokou, à qui il profère des menaces de mort par empoisonnement. Au point où ce dernier a été obligé de quitter sa propre maison. Ce même Anselme Sokou remet à sa cousine Sherifata Diagba un produit emballé dans un sachet. Il lui demande de le verser dans la sauce sous le prétexte d'union des membres de cette famille. Ce qu'elle exécute, eh bien, la famille passe à table, mais avant la fin du repas, la petite Florida, alors âgée d'1 an, et sa mère sont tombées dans un état comateux et transportées d'urgence à l'hôpital par l'époux Béringer Sokou. Lui également se retrouve dans le même état que les 2 autres. Le chien qui a consommé le reste du repas abandonné par le couple est retrouvé mort. À la suite de l'arrestation des nommés Sokou Anselme et Sherifata Diagba, il a été découvert dans la maison de Sokou Anselme du chanvre indien dont il fait usage. Interpellé, Sherifata Diagba a reconnu le fait d'empoisonnement mis à sa charge. Quant à Anselme Sokou, il n'a reconnu que les faits de vol de caisses de tontine et de détention et usage de chanvre indien. Jusqu'à la barre ce matin, il a nié les faits de complicité d'empoisonnement en variant ses déclarations. Le ministère public fait remarquer que l'ignorance par Sherifat de la vertu toxique du produit doit être écartée. Pour les 2 accusés, elle requiert la peine des travaux forcés à perpétuité. Mais les 2 avocats de la défense soulignent que le dossier est vide puisqu'aucune analyse d'expertise médicale n'est faite sur la qualité du dit produit, que rien ne prouve que le chien qui est réellement mort est réellement mort de ce produit, que le principe du doute doit bénéficier aux accusés. Il plaide pour, à la rigueur, une condamnation proportionnelle au temps déjà passé derrière les barreaux, soit près de 10 ans. La Cour délibère. Dame Sherifata Diagba est accusée d'empoisonnement et condamnée à 9 ans de prison. Donc elle retrouve sa liberté. Tandis que le sieur Anselme Sokou est accusé de complicité d'empoisonnement, vol et possession de chanvre indien. Et lui, il est condamné à 12 ans de travaux forcés, soit encore 3 années à passer derrière les barreaux. La séance est présidée par Christophe Atimakan, avec comme greffier Théogène Zoum-Tchekon, ministère public. Marie-Josée Ekpatinvo, les avocats défenseurs des accusés sont Rafikou Alabi et Florent Koukoué.
c'est Jérôme Toujours pour le compte de ce lundi. Pour le deuxième dossier, ils sont 5 prévenus, mais 5 ont été entendus pour association de malfaiteurs. Tout à fait, dans la nuit du 17 septembre, le nommé Benoît Akpova aurait volé une motocyclette de marque Dream au domicile de Simon Combe au quartier Aibatin à Cotonou. Puis le 7 janvier 2011, il est retourné dans le même quartier où il a été appréhendé cette fois-ci. Les plaintes portées par les victimes Mariam Sambieni, Vincent Kiti, Dim Enfandino et autres contre Benoît Akpova et ses acolytes, ces plaintes ont permis d'arrêter aussi la nommée Jeannot Baroton et Pierre Diedenou. Interpellés et accusés d'association de malfaiteurs et vols avec violence, les nommés Benoît Akpova, Jacques-Célestin Akpova, Alain Yekmon, Cyril Danroyon et Marc Rampeux ont reconnu les faits à l'enquête préliminaire lors de leur inculpation avant de se rétracter par la suite. Deux accusés bénéficient d'un arrêt de non-lieu. Donc la Cour a eu affaire à 5. Le ministère public fait constater que les éléments de charge retenus contre eux sont bien constitués. Le ministère requiert la requalification de l'infraction association de malfaiteurs en délit de receleur contre les accusés Jacques Akpova et Marc Rampé avec 5 ans d'emprisonnement et une amende de 100 000 francs CFA d'une part et la peine de travaux forcés à perpétuité contre les accusés Benoît Akpova, Alain Yekmon et Cyril Danroyon. Les 5 avocats de la défense ont tous rejeté cette peine contre leurs clients. Alors que Diskoudous Abdoulaye Fouto dit que la Cour vient de se retirer. Elle va délibérer les minutes à venir. Elle est composée du président Célestine Bakpe, greffier Victoire Ladikbo, l'avocat général est Christian Taï, les avocats de la défense Maxime Aweke, Paul Kato Atita, Louis de Campos, Jonel Dorengo, Domingo et Lucien Dorengo. Et un coup d'œil dans la programmation demain, deux dossiers sont également prévus. Demain qui également consacre la fin des audiences de la première session de la Cour au titre de l'année 2016. Les deux dossiers portent association de malfaiteurs, vol à main armée, coups et blessures volontaires et puis association de malfaiteurs, vol qualifié. Jérôme, on prend la direction de la Côte d'Ivoire à la BRVM, décembre 1996, décembre 2016, 20 ans d'innovation, de croissance et de développement au service des pays de l'UMOA par la BRVM. Entendez, bourse régionale des valeurs mobilières. Patrick Benoît et Marie-Louise Perrin ont été conviés à cette célébration. Regardez. La BRVM est la bourse commune aux 8 pays de l'UMOA qui ont en partage le franc CFA. En 20 ans d'existence et 18 ans d'exercice, la BRVM est aujourd'hui un modèle réussi d'intégration financière et de bourse unique appartenant à plusieurs pays qui attirent les investisseurs du monde entier. Grâce aux outils technologiques de dernière génération, le dépositaire central Banque de Règlement, DCBR, assure une meilleure sécurité et transparence du dénouement des transactions et des opérations. 20 années pendant lesquelles nous avons connu plusieurs périodes. Un démarrage à la hauteur des espoirs que nous avions dans ce projet. Des périodes difficiles. La BRVM doit représenter davantage le tissu économique de nos pays. L'une des difficultés, c'est attirer des entreprises vers la bourse. C'est l'une des difficultés à laquelle nous trouvons des solutions. En invitant les États à privatiser davantage d'entreprises, en invitant des entreprises du secteur privé à se faire admettre volontairement à la BRVM, et en aidant également les fonds de capital investissement à faire leur sortie par le marché. Je retiens que l'Afrique de l'Ouest est suffisamment intégrée. Et cette intégration, on souhaite qu'elle puisse se poursuivre, de sorte que les pays africains, surtout l'Afrique de l'Ouest, surtout les pays de l'UMOA, n'aient plus besoin d'aller sur des bourses étrangères pour lever les fonds. Donc je pense que cet anniversaire sera complet lorsque les pays africains, surtout la zone UMOA, pourront lever les fonds sur place ici. La BRVM doit donc pouvoir opérer les mutations nécessaires pour être à la hauteur de l'ambition économique qu'incarne la sous-région. L'approfondissement de notre marché financier doit être la clé de voûte de ces mutations. Ces dernières peuvent, par exemple, amener la BRVM à s'ouvrir davantage à l'international, aux nouvelles technologies et à la globalisation. Je sais le président de la BRVM et le directeur général très engagés avec leur équipe et je ne doute pas de leur capacité à impulser ces transformations à notre bourse. Faire évoluer la classe moyenne pour l'émergence des pays membres de l'UMOA
est la nouvelle orientation que la BRVM entend donner à ses actions les années à venir. Le pari est donc pris pour un futur encore plus prestigieux. Par ailleurs, la soirée s'est soldée par la coupure de gâteaux et des distinctions. Des 6 prévus, le Bénin en a raflé 3. Il s'agit des prix de fidélité, de dévouement et d'honneur. Et cette lutte au profit des femmes, atelier de validation du rapport de l'évaluation du plan d'action contre les violences faites aux femmes, les acteurs du secteur de la protection, de la promotion des droits de la femme se sont réunis ce matin à l'InfoSec de Cotonou. Objectif, réfléchir à une meilleure lutte contre ce fléau. Martial Guédigan pour le point. Au Bénin, les violences à l'égard des femmes et des filles persistent et se cristallisent. Les différents efforts de l'État pour faire reculer le fléau peinent à porter leurs fruits. Une récente étude a encore mis en exergue différentes manifestations de ces violences, des bastonnades passant par les propos injurieux, le harcèlement sexuel, le viol, la traite des filles, la maltraitance des enfants placés aux pratiques dégradantes imposées par la tradition. Pour mieux s'en convaincre, ces statistiques. À titre d'illustration, l'on retient que 69% des femmes enquêtées ont subi au moins une fois dans leur vie des souffrances physiques ou morales. Soit 15% des femmes ont fait l'objet de bastonnades, contre une proportion de 88% de filles qui ont été bastonnées. Un tableau sombre de la situation de la femme au Bénin. C'est pourquoi le ministère des Affaires sociales ne baisse pas les bras. Nous voilà aujourd'hui à un second rendez-vous pour apprécier si les diverses contributions pour améliorer le document, nos suggestions et recommandations ont été prises en compte pour parfaire le rapport qui devra fournir au gouvernement du Bénin, aux principaux partenaires techniques et financiers et aux acteurs impliqués dans la lutte contre les violences basées sur le genre, les informations essentielles qui permettront d'orienter, voire de réorienter les stratégies ainsi que les activités d'intervention aux fins de renforcement de la prévention et de la prise en charge des violences basées sur le genre. Difficile donc la lutte contre ce terrible phénomène, mais à force d'engagement, de sensibilisation et de plaidoyer, on peut désarmer les bourreaux de la femme. Première sortie de la fondation Djibril Sambaou, c'est à travers un don de poubelle au tribunal de première instance de Cotonou. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'assainissement des milieux carcéraux au Bénin, un des objectifs fixés par la fondation. Je vous propose d'écouter Lisette Sambaou Renou de Dravo, la présidente de la fondation. Elle est au micro de Cécile Ondé et de Julia Kouekou. La fondation a un regard sur l'ensemble des détenus, mais surtout sur les détenus mineurs, les enfants nés en prison, les enfants accompagnant leurs parents dans les maisons privatives et les mineurs indigents. Vous savez, le tribunal, c'est le lieu de ces personnes en conflit avec la loi. Ils sont les usagers, les principaux usagers. Et lors des audiences, Vous voyez avec moi qu'ils salissent un peu les alentours des tribunaux et coups d'appel de notre pays. Et on a commencé ces dons par le tribunal de Cotonou parce que c'est le lieu de travail de feu maître Zakaria Djibril Sambaou. La fondation porte son nom. Donc à tout seigneur, tout honneur, on a commencé par Cotonou et on va étendre ce don dans tous les tribunaux et coups d'appel du Bénin. On a deux petites poubelles, deux grandes poubelles avec un fer ordinaire de 15 épais avec 1 mètre de hauteur et 60 mètres de largeur. Et ces quatre poubelles font un coût total de 618 900 francs CFA. Parlons photographie à présent, exposition de photos au Centre culturel chinois. Cette exposition marque la fin d'une formation en photographie de plus de 2 semaines. Les participants ont reçu l'aide du Centre culturel chinois. Blaise Adampo. C'est la réalité béninoise qui est traduite à travers cette exposition. Ces images ont été prises par des photographes béninois après une formation de 2 semaines au Centre culturel chinois. Les participants ont acquis de nouvelles connaissances sur la photographie. Nous avons sélectionné 49 photos exposées avec le formateur M. Yang Yuelian.
Et ce sont des photos qui reflètent fidèlement la vie quotidienne du peuple béninois. Je vous félicite pour cette œuvre, avec seulement une vingtaine de jours de formation. Après cette phase théorique, la formation s'est poursuivie avec la phase pratique sur le terrain. Ainsi, les participants constitués en chasseurs d'images se sont rendus dans les zones, dans trois villages, à savoir Zivier, Gambier et Glo, dans la commune d'Abomey-Caravi. Le rêve est de faire décoller la photographie d'Aro Bénin. Le centre culturel chinois ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il invite déjà la population à la célébration du Nouvel An chinois en début d'année 2017. Et c'est sur ces belles images que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 20h30 le magazine sans commentaire, la rediffusion du deuxième panel du programme d'action du gouvernement et deux feuilletons, les choix de l'amour et We Vote You. Prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h avec Héloïse Winato. L'actualité, c'est aussi sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité et à très très bientôt.